Alors, avantage du run, tu peux dépasser. Enfin bon, ils sont bons, c'est bon. Ouais, ok. C'est pas mal, Franck, suis-moi un petit peu, on va corriger quelques trajectoires. Suis-moi de près. Tu vois, dans les chicanes, tu peux, tant que ta moto est droite, ben, tu peux mordre sur le gazon synthétique si tu veux, pas de problème, un petit peu. Dans celui-ci, tu es très bien. Sauf que tu réaccélères un petit peu à la fin, tu dois trouver une trajectoire dans laquelle tu fais que freiner, pas accélérer. Alors ici, dans le droite, rentre plus fort dans le gauche, de façon à te retrouver tout de suite à l'intérieur du droite, comme moi.
peux passer devant moi, je te suis, sans forcer. Suis-moi, c'est pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que tu vas freiner un peu plus en profondeur dans les virages. Donc tu vas tout faire pareil, mais tu vas freiner plus longtemps, presque jusqu'à la corde, de façon à avoir moins de vitesse dans le milieu du virage. Et ça va t'aider à sortir des virages. Pour l'instant, tu ressors pas bien des virages, parce que tu es trop vite dedans. Alors tu vas me suivre, et je vais te montrer le rythme à imprégner. À imprimer. Et toujours redresser ta moto en réaccélérant. Et c'est pour ça que je veux que tu ralentisses fort dans le virage, autrement tu ne pourras pas redresser la moto. Il faut que ta trajectoire le permette. Et tu redresses et t'accélères. Bien couper les cordes. Ouais, ici tu continues à freiner jusque presque à la corde. Comme ça tu peux réaccélérer la sortie. Tu peux passer devant moi, je te suis. Doucement, ralentis, non, c'est trop tôt. Tu ralentis et puis tu redresses en accélérant. Et tu redresses en accélérant. Voilà.
toujours redresser en accélérant. Hein. Bien couper la corde là à gauche. Allez, concentration, tu attends à la corde, tu redresses et t'accélères. En deuxième, et tu ralentis bien jusqu'à la corde, tu redresses et t'accélères. Cette fois, dire un peu plus doucement dans celui-ci parce que tu rentres quand même très très rapide dans le droit, hein. Surtout comparé au reste du circuit. Pour accélérer. Et arrête d'utiliser le frein arrière aussi.
pas trop vite dedans, tu reviens bien à la corde, et puis à la sortie, tu utilises bien toute la largeur de la piste. Il faut que tu sortes à droite. Voilà, en redressant, très bien. Et la même chose là dans le droite, à la sortie, il faut que tu ressortes à droite. Redresse, redresse. Ouais, il reste 3 mètres à gauche. Pardon. Pardon, il faut que tu ressortes bien à gauche de la piste, je voulais dire, bien à l'extérieur. Il reste 3 mètres chaque fois. Allez, dernier tour. Doucement, 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 tu attends, tu redresses et t'accélères, tu rentres trop vite encore. Continue, continue avec eux. Sans forcer. Très bien, Franck, super, bravo. On va rentrer gentiment.
dans la chicane qui arrive ici, tu peux prendre le gauche nettement plus vite. Je te conseille de couper dans le gazon, ne plus freiner ici, prendre le gazon et réaccélérer. On montre bien qu'on rentre, surtout si on prend le raccourci. Voilà. Et on s'arrête chez Béatrice pour lui rendre la radio. En tout cas, j'ai vu que tu avais bien compris ce que j'essayais de t'expliquer. Donc pas réaccélérer trop tôt, vraiment freiner presque jusqu'à la corde. Et de façon et continuer à ralentir, ralentir fort pour arriver à une vitesse de passage très basse de façon à pouvoir ressortir des virages. Parce que ton problème c'est ça, c'est pas les entrées, c'est les sorties. Si tu te retrouves bloqué, tu peux plus. Tu n'as plus la piste qui s'ouvre à toi en réaccélération, tu peux plus réaccélérer. Et en tout cas pas en réaccélérer en redressant la moto, et c'est ça ton problème. Voilà, bravo. Moi j'ai toujours 2 minutes quelque chose dans mes temps.